après des études à l'école des beaux-arts de Tétouan. Il a obtenu une bourse du gouvernement italien pour poursuivre ses études à l'école des beaux-arts de Rome. Ensuite, de retour au Maroc en 1964, il a intégré l'école des beaux-arts de Casablanca et œuvré avec deux collègues qui sont feu l'artiste Khalid Bulkaria et Mohamed Mouliri pour mettre en place une pédagogie de l'enseignement de l'art d'une manière moderne et adaptée au contexte social marocain. Feu l'artiste Mohamed Chouba est l'un des pionniers de l'art moderne au Maroc. Il a participé avec d'autres collègues, d'autres artistes de la même époque, un ensemble d'actions. Parmi elles se trouvent des manifestations artistiques dans l'espace public. Je cite notamment l'exposition Présence plastique qui s'est déroulée à la place Jemaa el-Fna à Marrakech en 1969. Lors de cette exposition, le collectif formé par Chouba, Menehi Bulkaria, accompagné par trois autres peintres professeurs à l'école des beaux-arts de Casablanca, ont donc sorti leurs œuvres dans l'espace public et les ont exposées pendant 10 jours sur la place. Toutes les actions qui concernent l'accompagnement d'une forme d'ouverture de la société marocaine vers la modernité, vers une manière de redécouvrir son identité autrement, en se basant notamment sur une réhabilitation des arts traditionnels. Cette façon de voir les choses lui a ouvert un ensemble de collaborations, notamment avec la Rue du Souffle, dirigée à l'époque par Abdelflem. Pendant cette exposition, nous avons essayé de faire une rétrospective qui retrace le parcours de Mohamed Chouba depuis les années 50 jusqu'à 2012, en passant de manière assez détaillée toutes les périodes de l'évolution de son travail sur le plan classique. Mais on a voulu également montrer d'autres volets, d'autres facettes de l'artiste qui ne sont pas connues du grand public, notamment le volet graphique, tout ce qui est affiches, couverture de livres, les sculptures, le travail au niveau de la sculpture, le dessin, pour permettre au public large de découvrir donc d'autres aspects du travail de ce pionnier. Ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est qu'elle est accompagnée par des textes qui sont écrits par l'artiste lui-même, dans lequel il décrit son propre parcours, et il explique les modalités, les principes selon lesquels il a travaillé pendant toutes ces périodes, et les raisons qui ont prévalu aux transformations que va connaître son travail pendant plus de 60 ans. Et le public peut découvrir ici vraiment une idée assez globale sur l'artiste. Il a aussi la possibilité de découvrir des œuvres qui sont présentées pour la première fois au public.